C'est là? Oui, c'est là. Vous voyez, je suis quand même malin. Là, beaucoup moins, mais c'est pas grave. Jeu de merde. Jeu de merde! Allez, on y va. Monte. Hop, un de moins. Bon, ça va, c'est 25% par 25%. C'est vrai que ça, par contre, ils l'ont retiré dans Revelations. Et il y a d'autres systèmes de notoriété en plus. Et ça de... Revelations doit être le Assassin's Creed le plus difficile que j'ai fait. Étant donné que le 3 est quand même difficile, mais difficile parce que c'est complètement cheaté. Enfin, les ennemis, t'en as 30 par ville, c'est quand même dingue. Enfin, t'en attaques un, ça y est, t'en as 30 qui arrivent. Alors certes, t'as une super musique de combat, mais d'un autre côté, faut peut-être pas pousser non plus, quoi. Enfin bon. C'était un avis personnel sur Assassin's Creed 3. Qui m'a déçu au niveau du scénario. Et en général, je trouve qu'un jeu se démarque souvent par son scénario. Enfin, vous prenez Bioshock Infinite. Ces deux jeux-là sont excellents parce que leurs scénarios sont excellents. Et parce que leurs gameplay sont pas trop pourraves. Sont pas... Oui, voilà, sont pas trop pourraves. C'est très bien comme définition. Pas trop pourraves. C'est bien comme définition, non? Vous ne trouvez pas? Pas trop pourraves. C'est bien? Je ne vous entends pas. Plus fort. La libération de mes frères n'est pas seulement un soulagement, Ezio. Ceux que tu as sauvés joueront un rôle crucial dans les semaines à venir. Demande-leur de t'aider, et ils te suivront. Et quand j'aurai rassemblé ma troupe de voleurs? Envoie ces voleurs vers un groupe de gardes. Comme ça, ils créeront une diversion. Et j'en profiterai pour passer. Exactement. Je n'aurai donc pas besoin de salir mon épée. Tant mieux. Exactement. Je vais te dire ce que vous allez faire. Le plan d'Antonio repose sur un subterfuge. Nous ferons passer pour ces archers, mais pour y parvenir, il nous faut leurs armures. Elles se trouvent dans des coffres, qui ont été chargés dans des bateaux pour être livrés au palais de la soie. Pille les coffres, et récupère les armures. Quand ce sera fait, trouve-moi un bateau et amène-le rapidement jusqu'ici. Nos hommes l'utiliseront pour s'introduire discrètement dans le palais. Tu peux compter sur moi. Alors, là on va récupérer les coffres. On va récupérer leur contenu. Va-t-on récupérer plutôt leur con ou plutôt leur tenue? À votre avis. À votre avis. Leur con ou leur tenue? Hein? Certainement, vu que c'est avec moi, on va récupérer plus leur con que leur tenue, vous voyez. Mais je sais, je fais des jeux de mots pourris, c'est même pas des jeux de mots en vérité. C'était pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Il est là sous coffre. Ah oui, il est là. Y a pas un autre moyen? Là, il y a un toit. Si on peut passer de l'autre côté, ça m'arrangerait. Magnifique. Allez, allez, hop! Eh, vous avez vu? Vous avez vu cette discrétion? Vous avez vu cette discrétion? Eh, beau gosse, hein? Beau gosse, hein? Bon, cela dit, c'est pas tellement de la discrétion dans la mesure où t'en avais en face qu'ils ne disaient rien, en fait. Allez, hop! Vous vous rendez compte comment il... Comment il grimpe bien ce mec? Si un jour essayez de trouver quelqu'un qui grimpe comme ça, vous verrez, c'est assez compliqué. Bon, en tout cas, je sais que je ne grimpe pas comme ça, c'est certain. Allez, hop. Ah non, il y en a un là. Il y en a un là, mais c'est quoi? Ah, un petit lag, un petit lag. Un petit lag? Là, par contre, ça m'a l'air d'être assez bouché. Il faut se mettre pas. L'incident de San Polo ne doit pas se reproduire. Et ensuite, tu vas faire quoi? Tu as assisté aux exécutions. C'est un moment impressionnant. Seigneur,
peux t'entraîner avec le mien si tu veux. Alors, qu'est-ce que tu fais ici, toi? T'habites dans les environs? Tu vas voir ton nom? Là, on appelle pas ça de la discrétion, ça c'est du barbare. Allez, dégagez tous. Voilà, on les bute. Heureusement, c'est la nuit, j'aime bien la nuit. Parce que les gens réagissent pas, c'est cool. Non. Vous voyez, ça c'est ce genre de problème qu'on a parfois dans Assassin's Creed. Ils grimpent alors qu'ils devraient pas, enfin qu'on voudrait pas qu'ils grimpent. Ok. On refait le même coup. T'as perdu la tête. Tu vas souffrir. Il va te les trouver. Ne vous laissez pas. Je le vois. Il est là. Voilà, vous voyez, ils ont peur. Alors, désolé, je suis un petit peu silencieux, c'est parce qu'il faut que je... Bon, lui, il bug, c'est pas grave. Courage! Allez. Allez. Voilà, ça en plus. Cette nuit, les rats vont se régaler. De bonnes... Oui, là ils vont bien se régaler là, les rats. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Allez, Dépêche. Merci. Dignitaire. Y a pas de dignitaire dans le coin. La seule loi qui s'applique aux crapules de son espèce, c'est celle de Dieu. Là-bas, c'est lui. Il doit pas rester là. Et tout de suite. Oh, mais le problème c'est qu'ils me trouvent tous là, c'est n'importe quoi. Allons. On nous m'écrit. Oh, un coffre. Oh, on peut pas. D'accord. Tant pis. Allez, mourez. Mourez tous. Bande de mécréants. Cela dit... Cela dit, je vais pas les libérer tout de suite. Non, c'est pas des libérations, là, c'est des coffres. Il faut absolument que je me récupère de la notoriété. Enfin, que je me tue de la notoriété, parce que là, putain, c'est... Ça va être chaud, sinon, hein. Voilà, hop. C'est vrai que ça fait un peu Tomb Raider, la façon dont ils montent. Vous avez pas remarqué? Non. Vous n'avez pas remarqué? Bon. Bien. Bien, bien, non, mais vous inquiétez pas, hein, je ne vous en veux pas de ne pas avoir remarqué cette incroyable chose, hein, il grimpe comme Lara Croft, voilà, c'est tout. Voilà, alors, qu'est-ce que je vais vous dire, parce que là, le problème, c'est que je joue, mais que vais-je vous dire, À la rigueur, quand je ne parle pas, je pense que j'augmenterai la musique. Voyez, plus sympa. Pa-pa-pa-pa-pa-pam. Pam-pam-palam. Voilà, on va récupérer une barque. Des articles de ferronnerie et de serrerie, mais aussi la barque. Mouais, tous. Bande de mécréants. Allez, toi. C'est marrant de se battre sur un ponton comme ça, ça fait très cinématique. Vous trouvez pas? Allez, hop. Le dernier, the last of your... Ah. 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 Voilà. I just push buttons. I was a shit player. Voilà. Désolé, c'était une référence à la con. Voilà. I was a shit player.
I just push buttons. Voilà. Ceux qui comprendront mettront dans les commentaires ce que je souhaite qu'ils mettent, c'est-à-dire le... Allez, mettre du sang. Des fois, je vous jure, il me... Hein ? Il me les brise menu. Allez hop, tourne. Allez. Allez hop, on y va. Regardez-moi cette vue. L'eau, c'est pas terrible. On doit l'admettre, c'est pas terrible. Mais c'est normal, déjà, je suis pas à la qualité maximale. Sinon, ce serait déjà un peu plus terrible. Mais c'est beau, c'est super beau. Regardez-moi ça, ces arches, c'est tout ça. Mais la ville en elle-même est très belle, donc c'est normal. Ils sont du bateau. Et laissez-le au voleur. D'accord. Molto bene, Ezio. Exactement ce qu'il nous fallait. Je vais informer Antonio de tes prouesses. Voilà. Que va-t-on faire maintenant? On va récupérer cet avis de recherche, là. Il y en a un là, paraît-il. Où est-il? Peut-être là. Je ne sais pas. Il a le droit de faire ça. Plutôt là-haut. Ouais, il est là. Hop. Il cache une flèche pour mettre un avis de recherche, c'est quand même fou. C'est un assassin, pas un shit player. Ou push buttons. Voilà. Quel talent. Ah là là, j'aime le talent. Le problème, c'est que si je dis talent comme ça, vous risquez d'entendre du truc. Alors qu'avec un filtre anti-pop et un micro sur pied, je suis sûr que non. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo et que vous avez vous-même un micro sur pied parce que vous faites vous-même des vidéos, eh bien, est-ce que vous pourriez me dire quel micro vous avez et à quelle qualité il est, parce qu'il m'en faut, hein. Absolument. Vas-y, entre. Grâce à ton aide, nous pouvons enfin relever la tête, Ezio. Nous voilà prêts à frapper. Dis-moi simplement ce que tu attends de moi. Je ne te décevrai pas. Tu approcheras par en haut une fois la nuit tombée. Milio a posté ses archers autour du palais. Tue-les. Mais sois discret. Au fur et à mesure, mes hommes prendront leur place. Que fais-tu des gardes ? Quand tu auras éliminé les archers, nous nous regrouperons devant ce bâtiment. Et alors nous verrons pour la suite. Aucun problème. Je m'occupe des archers et je vous rejoins. Tu as tout compris. Bonne chance. Dieu nous protège. Et voilà, donc une fois cette mission terminée, je terminerai la session. Voilà. Peut-être l'épisode, je ne sais pas, ça dépend à quel épisode on est. Voilà. De toute façon, maintenant je joue par session, vous le savez. J'ai décidé ça il y a très très longtemps. Donc la dernière fois le jeu avait bugué, ce qui faisait que après le rêve, eh ben, je ne me réveillais pas, je restais dans les limbes et puis ensuite je revivais le rêve. Voilà, j'étais perdu dans le rêve, dans un rêve. Inception. Voilà. Ceux qui connaissent le film me comprendront. Par contre, j'ai vraiment pas compris la bande-annonce. Ça, c'est un truc de fou. J'ai compris le film, j'ai pas compris la bande-annonce. Je ne comprends pas. C'est quand même très terrible, hein. Pourquoi mettre une bande-annonce où on dit « La plus grande scène de crime, c'est votre cerveau », alors que ça parle de rêve? Stupide. En même temps, ils auraient pu faire un truc, c'est un film de rêve, mais le problème, c'est que... Après, ça faisait un peu trop cliché, peut-être. Je ne sais pas. Donc voilà, donc je parle d'Inception dans Assassin's Creed. Pourquoi? Parce que je n'ai rien d'autre à dire. Et parce qu'il faut absolument que je retrouve ces archers de merde. Allez, hop. Oui. Tu vas voir qui c'est que je vais saigner, moi. Allez, hop. Là, j'en fais des saignées, là, en ce moment. Là, je te remplace, là. Les archers, vous allez voir. Ils vont s'en prendre, mais plein la tête. Ta gueule. Ta gueule, dégage, immédiatement. D'accord, donc ils sont tous dans mon coin. Meurs.
Alors, lequel on va faire en premier? Celui là-bas? Là-bas, toi tu n'iras nulle part. Hop, on y va. Allez hop, on y va, en route pour l'aventure. Oh putain l'enfoiré. Oh putain l'enfoiré. Oh vous allez voir. Là-bas, ne le laissez pas. Mais non. Plus vite, il s'est... Le voilà, vite, arrêtez-le. Ça c'était un bug. Ça c'était du beau bug, ça vous avez vu? Vous avez vu ce bug? Ne le laissez pas s'enfuir. Allez, meurs. Voilà. À la baille, à la baille, à la baille. Voilà, palais de la soie, donc on est proche du palais de la soie. On va remplacer les archers. Une fois remplacé, on va réussir à gagner ce temps précieux qu'il nous faut. Oui, oui, je suis trop rapide. Voilà, hop, allez hop. Dernier, dernier, the last of us. Ouais, je te libère de ta vie. Non, non, bon. Ah, tu veux revenir, t'es sûr? T'es sûr de vouloir, t'es sûr? Hop, allez, meurs. Mais dégage! Mais t'es pas possible! Mais pourquoi tu reviens? Oh, t'es quand même dingue! Ah non, mais l'autre il revient! Ah non, mais dingue! Oh! Merde! Aïe! Ça c'est mal! Ça c'est pas bien! Ça c'est pas bien du tout! Voilà! Bien joué, Ezio! Jusqu'ici, tout se déroule comme prévu! En ce moment, mes hommes remplacent les archers que tu as tués! Nous allons pouvoir nous approcher du palais! Oui, mais pas nous y introduire. Les gardes d'Emilio patrouillent tout autour. Envoie mes hommes. Ils occuperont les gardes un moment. Tu n'auras pas besoin de te battre. Et surtout, quand viendra le moment de l'assaut? Pense à ce que je t'ai appris. Sois prudent, Ezio. J'espère que tu réussiras. Bien sûr que je réussirai, non mais oh. Voilà, la mission se terminera par l'assassinat de Emilio Barbarigo. On va grimper ici. Puis on va essayer d'aller jusqu'au palais de cette manière. En grimpant. Voilà, donc ça c'est la mode des jeunes gens qui grimpent. Je veux bien que ce soit une zone non autorisée, mais... Allez! Hop, on grimpe là, on grimpe là. Ah, donc là, vous voyez. Votre petit château... Voilà. Où les milieux? Un léger contretemps, ce sera vite réglé. Ce pauvre idiot d'Antonio, avec sa bande de voleurs... Oubliez-les. Vous devez vous concentrer sur l'assassin. Pourquoi? Il est à Venise? Depuis plusieurs semaines. Êtes-vous aveugle à ce point? Contrairement à vous, j'avais affaire. Il fallait bien que quelqu'un fournisse des armes à nos frères florentins. Oui. Et nous avons... Descends, là-bas. Toi, tu n'iras du... Vous avez autre chose à me dire? Le maestro veut tous nous voir. Dans 3 jours, à Santo Stefano. Très bien, j'y serai. Oui, si vous êtes toujours en vie. Moi, à votre place, je me cacherai dans un endroit plus discret. Oh, le palais est devenu aussi. Le palais est une forteresse. Si vous le dites. Au revoir, Emilio. Capitan, et si la raison cache? Vous, faites venir mon bateau. Voilà. Tu n'as pas à avoir peur. Je n'ai pas peur, assassin. Tu ne comprends pas. Je cherchais l'unité, la stabilité, l'ordre.
Et tout cela à quel prix? Tout progrès exige des sacrifices. Je regrette sincèrement que ça se termine ainsi. Mais je n'avais pas le choix. Requiescat in pace. Emilio Barbarigo. Quick, quick, mort. Voilà. Désolé, c'était trop tentant. Viens, il faut ouvrir la porte à Antonio. Le palais est tombé et Emilio est mort. Merci pour ton aide, Ezio. Allez, retirez les bannières d'Emilio. Rendons au peuple ce qui lui appartient. Dis-moi, Ezio. Comment vais-je bien pouvoir te récompenser? De l'argent suffira. Rien de plus facile. Et quoi d'autre? Emilio s'est entretenu avec un dénommé Carlo. Probablement un dignitaire de l'État. Tu le connais? Carlo Grimaldi, membre du Conseil des Dix. Pourquoi cette question? Qu'est-ce que tu prépares? Je dois assister à une réunion. Voilà, séquence terminée. On va se laisser d'ici quelques temps. On va se laisser au début de la séquence 8, je pense. On va laisser le truc se faire, l'animus se mettre en place, et puis on se laissera au début de la séquence 8. On approche de la fin, sachant que je vous ai bien dit, il y en a 12 en tout. Sachant que il y a la 11, et en dernier c'est la 14, sachant que la 12 et la 13 n'existent pas sur ce jeu, enfin sur mon jeu. Sachant que d'autres ont pu l'avoir, mais pas moi. Moi j'ai pas envie d'acheter des DLC, c'est tout. C'est beau, hein. Voilà. Bon, et bien écoutez, et bien au revoir à tous, et je vous souhaite tout ce que je peux vous souhaiter. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, le prochain épisode d'Assassin's Creed, et puis d'autres choses très très bien aussi, qui vont arriver très bientôt. Je vous souhaite tout ce que je peux vous souhaiter. Je vous dis au revoir et salut à tous.